YouTube, coucou! Salut! De retour sur les aventures de Gratos dans la banque. Et sa magnifique chapeau, bien sûr, connard. Son magnifique chapeau. Ouais. Du coup, tu veux laisser Jaïra faire ou... Bah vas-y, c'est son vieux pote. Allez, Jaïra, fais les muses. To call yourself Stonehead. Your false face does not fool my eyes. I will cut until you look like the monster you truly are. Somehow, you are making even less sense than usual. Perhaps I can explain. The Stone Lord sees through your lies, shapeshifter. Count yourself lucky he cannot stay. Oui. Nine fingers set a poor trap, little banker. Let the Absolute's faithful show you how it is done. Now come, Stone Lord. We have the gold, and the Absolute has need of it elsewhere. As you say, Jaïra. C'est par ici, hein? Slarning shape changers! Enough! Let us deal with these cultists. Then find out where they are nesting. Ah oui, là, ils vont tabasser, c'est en jaune. Oui, les amis. Ah, oh, purée, ils vont être... Des ennemis invisibles. Et pas leur balancer une lumière à la gueule. La solution, ce serait lumière féerique, mais je crois que personne n'a ça. Donc à la place, je vais faire ma deuxième stratégie préférée. Mais t'entends plus. Ah bah oui, bien sûr. On assassine les gens après les avoir assommés. Ben oui, c'est des techniques de lâche. Ah oui, non mais c'est plus que des techniques de lâche. Aucun honneur, aucune dignité. Et du coup, c'est quoi ton autre technique? Tu vas voir. Bah déjà, on va invoquer son pilier. Comment ça, espace insouciant? Et voilà. Hakuna Matata, fils de chien. C'est ça. Oh, un échec critique. Pour l'avoir joué plusieurs fois, je comprends pourquoi dans la tier list des spécialisations de magiciens, abjuration, c'était une des plus fortes. Parce qu'en gros, Gale, il a une espèce de bouclier sur lui. Je sais pas si tu le vois. Ouais. Et après, à partir d'un certain niveau, le passif fait qu'il peut aussi le donner aux autres. Et c'est ce qui s'est passé. En gros, il a protégé Ombrekeur. Ah, j'ai vu ça. N'est-ce pas merveilleux? Alors, bah déjà, ce que... Attends, il a pas le bouclier de feu? Non, c'est Gale qui l'a. Mais donc là, lui, il va juste faire une petite armure d'Agathys. Comme ça, les gens qui me tapent, ils vont se prendre des dégâts. Putain, pourquoi il y a deux foules brumeuses, what the fuck? Ah mais non, mais c'est pour ça que j'avais pas pris, je suis con. Parce que du coup, je l'ai pris en sort, mais en fait, on l'avait déjà avec un objet. Bon, tu me diras, on peut toujours le faire plusieurs fois, mais bon. Et on a un parchemin en plus. Ah, mais vraiment pas doué, purée. Ouais. Attends, par contre, est-ce qu'on n'avait pas pris... Sort accéléré, c'est ça. On peut lancer un sort normal en action bonus. Un double sort, ouais. On avait pris ça. On va juste bouger un peu histoire de viser le connard qui est juste là, là. Ah, en plus, ils avaient des compteurs inarrêtables. C'est magnifique, ça, putain. Et du coup, il y en a un qui est mort, déjà. Ah, oui. Ah non, c'est le garde qui a tué un cultiste. Ok, d'accord. Oui, non, mais il avait un gros marteau, il lui a fait 200 de dégâts. Ah la vache! Ah le mec il a fusionné son visage et le sol là comme ça! Ah
une mosaïque de poupées. Ouais. Ouais. Il va manquer une petite hache. Ah oh, oui, le retour de la hache. Attends, pourquoi tu montes le trident? Oui, bah la hache, du coup, c'est parti. On a toujours pris la hache, on reste avec la hache. Oui, oui, non, mais t'as raison. C'est pas moi, c'est la hache. Ah putain, en plus, c'est un sort de niveau 6, donc elle fait beaucoup de dégâts, celle-là. La hache. Et ma hache. Ah putain, la vache. Ah, c'est sûr que c'est pas la même que la hache de niveau 2, hein. Ouais. C'est moi ou la grossière? C'est ce que j'ai pensé aussi, c'est ce que j'ai vu aussi. Voilà. Les bons moyens de savoir où sont les mecs invisibles. Ouais. Ah bah oui, d'accord, comme ça, quand ils viennent t'attaquer, je... La technique du mur de Trump. Et puis il y en avait un autre là. Allez, encore, allez hop. On va mettre plus de haches. Bonjour le sol. Double hache. Ok, vous, tu veux pas descendre pour voir s'il n'y en a pas une en bas? Eh ben, je sais qu'il y en a une en bas en fait, mais je peux pas faire grand chose pour l'instant. Voilà. Mais voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut invoquer les frelons et le truc de liane là. Ils font encore leur technique de pampouze. Il y a un des mecs en jaune qui est mort. Je sais pas du tout. Ah non, ils sont quatre. C'est juste qu'il y en a un qui a plus beaucoup de points de vie. Oui. Après, je ne veux plus avoir beaucoup de points de vie. Oui. Est-ce qu'elle a tapé Kratos? Oui. Est-ce qu'elle m'a étourdi Kratos, cette catin? Oui, 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 oui. Catin des Katsperi. Lol. Mais non, mais ça, c'est Gale! Mais bon... Mais pourquoi? Ah ouais, mais... Oh, tu me l'aimes... Voilà, bravo, t'as raté. L'intention de fouiller par tout ça qui joue. Ah ouais, mais c'est tellement une putain de stratégie de lâche de merde. Et ils font que des petits dégâts de gratte. Incomodo. Il l'a poussé. Ah, il l'a doute après, ouais. Par contre, ouais, la caméra qui pète les couilles. Vu que le chemin est interrompu. Parce que du coup, je crois qu'il y en a une qui est là, là, par ici. Je suis presque sûr qu'il y en a là. Non, dommage. Il n'y a pas les flammes qui restent? Si. Ah non! Ah merde. Ah, décidément. Ah ouais, mais. Pff, quelle horreur. Combat de l'angoisse. Ouais, il est vénère celui-là, le garde du coffre Edwige, là. Sinon, elle peut pas aller récupérer ceux qui campent en bas, la hache. Bah, malheureusement, si je le vois pas, je peux pas attaquer, en fait. Ouais. Et il va pas attaquer la hache, bien évidemment. Ah, si, si. Flank out
smart. Ah, donc là, je suis avec, j'ai une aura de meurtre là, donc il y en a un qui est à côté. Ah mais c'est fascinant ce combat. Hein. Ah oui. Le cochon, il va aller là avec la hache. Bah, tu sais quoi, je vais continuer à avancer avec mon Breaker. Ah non, c'est la hache là, qui est là, ok. Mon Breaker, elle est juste après. Donc là, ce qu'on va faire, on va foncer. On va marcher par ici. Il y en avait un là. Et il y en avait un là. Ah, bah les deux. Malheureusement, ouais, malheureusement, ouais, c'est un peu tard. Tu vois, j'aurais lancé la boule de feu juste un peu plus loin. Ouais. Hop. Ça aurait marché. Donc là, j'ai perdu le Radmer, donc ça veut dire qu'il s'est barré. J'avais pas la mur d'Agathys. Si, mais j'ai l'impression qu'elle s'est cassée. Bah après, pour les redétecter, faudra juste rebouger mon Breaker. Ouais. Ok, attends, je vais essayer ça. Ils sont peut-être pas loin. Pas de cible, chemin interrompu. Ah, vraiment, c'est quelqu'un. J'ai l'impression. Yeah. Non, on va pas faire ça. T'as pas un autre truc? Elle peut pas lancer un truc, elle. Sinon, elle a pas une petite fiole à balancer sur un des petits gars en jaune? Bah, elle a rien en fait en fiole. Elle a de l'huile ou un élixir qu'elle boit, donc non, elle a rien. Elle a pas une sorte de. Bah, elle a les trucs d'épines, mais bon. Ah, il est. Ah, 300 d'épines. Ah! Non, j'en ai trouvé un! Bingo! Bon, bah, l'autre faudra juste remonter, il a pu partir dans le sens opposé. Sûrement. Elle en a trouvé un autre. Juste derrière la hache et le cochon. Ouais. Donc l'autre, il est encore là, du coup. Ouais. Vu qu'il y a eu l'aura de meurtre. Il va faire une détection et... Ah bah parfait. Ah bah parfait, on sait où sont les deux autres. Ils vont se faire défoncer, du coup. Ah oui. Toucher l'autre, non, il est un poil trop loin, tant pis. Ça en fait toujours un de moins. Oui. Allez, paf. Voilà. Et du coup, l'autre doit pas être loin, je pense. L'autre qui se cache. Ça va être par là, je pense. Un peu plus loin par là, éventuellement. Soit là, soit juste derrière mon Breaker. Oui, parce que... Ah non, je crois que Gale avait une aura... Non, c'est la hache qui avait une aura de meurtre, donc elle doit être là. Bingo. Ah oui. Oui. Ah, et plus qu'un devant Monsieur Cochon. Non, ça c'est le mec de la banque. Oui. Bah, on dirait que j'ai pas retrouvé. Dommage. Bah là, malheureusement, on peut pas faire grand chose. Parce que là, c'est. Ah, peut-être un petit sort de soin. Ah, pas con. On va juste sortir un peu des épines. Et on va lancer le sort de soin. Voilà, là, on touche presque tout le monde, je pense. Ouais, on touche Jaira, Gale, Gratos. Ok, c'est parti. Voilà. Ah, il est là, il est là, hop. Protégé gratos.
Ok, donc il est encore là parce que l'aura de meurtre n'a pas disparu. Bon, Jaira peut pas faire grand chose. Vas-y, vas-y, garde-coffre Mora, vas-y, détection de présence. Ah, ça a pas marché cette fois. On va éviter de cramer la garde quand même. Ah, ah merde! Quoi? Bah du coup je lui ai fait des dégâts, du coup coup ils attaquent. Non mais fallait pas. Du coup on les tue quand même. Bah on n'a pas le choix hein. Il fallait pas les tuer, on est d'accord. Bah en soi ça change pas grand chose, mais bon ça fait chier quoi, on a fait du bon travail ensemble. Ouais, ah putain, il y a l'autre et son méga marteau en plus qui veut nous en coller une. Ouais c'est, ah il y a Edwige, il va nous défoncer. Ouais. Où le porc? Il avait avancé un peu plus loin. Ah oui, c'est vrai, il était là-bas. Ah, il va. Oh, il monte vers les ronces. C'est qui? C'est le requin? Non, c'est Gaïl. Vas-y Edwige, rapproche-toi des cochons. Oui. C'est bien, t'as loupé Pumba. Oh, Pumba va lui faire une charge. Ah merde, du coup j'ai... Bon, au pire, c'est que le cochon. Ah, tu peux. Non, les ronces vont blesser aussi. On va plaider la légitime défense. On va dire c'est pas nous, c'est les autres qui les ont fait. Et puis, on peut gagner le bonus en plus. Regarde, on gagne de l'XP. Oui, certes. Merci. Et au départ, on voulait 3 forcément. Bon, c'est un peu dommage qu'on ait été obligé de les tuer, mais bon. Allez, fouillez-moi tout ça. Allez, donc les dagues, on s'en bat les couilles. Une lettre, ordre de J. Tiens donc. On va le demander bien qui c'est. Oh là là. Ordre de J. Ordre de J. Il y a une lettre de la dame Jeanne, j'ai cru voir. Jeannette. Ah. Là, je suis curieux, ça. Alors, la clé du coffre, je prends. Tactique de Thalys. Non, on s'en fout. D'accord. Bon. Ah, on nous dit littéralement, j'ai déposé une patte chez toi, Loulou. La lettre de Dame Janan, là, elle dit hey, « Hé, Thalys, j'ai mis une bague chez toi. Ça peut être intéressant. » Perte de cargaison. Ok. Ah oui, en gros, il dit littéralement où tu peux trouver du stuff. Alors là, on peut ouvrir les coffres pour avoir du pognon, pour avoir des trucs. Mais quoique là, ce qui serait pas mal, c'est peut-être aussi soigner les gens, parce que on voit que Gratos, là, il est en train de vomir cette fille. Il y a encore le sanglier. Bah, il n'a pas de raison de ne pas être là. Alors là, du coup... What are footprints? Like someone came through the sewers. Ah oui, donc c'est ça. En fait, il faut aller chercher Minsk dans les égouts. Mmh. Alors, un petit 30. Bah, évidemment. Aide-moi, mon cœur.
Bah évidemment. Mais bien évidemment. Non mais au bout d'un moment ça va bien quoi. Ça va le jeu. Mais wesh. Arrête de me marcher dessus. Arrêtez. C'est quoi ma tire à foutre? Arrêtez Fouminette. Eh ben, je vais voir si je peux pas ouvrir un autre coffre plutôt. Ah bah c'est 30 aussi, il va faire foutre. Ah, c'est où les vols les 30 mimiques. Non mais. Bon, elle avait rien sur elle. Ils ont tous leur dague à la con là. Bon. Du coup, on sort du corps. Ouais, faut aller dans les égouts. Alors, je sais plus comment on fait pour aller dans les égouts. Il y a toujours le sens du dégoût. Goddamn disease of the gate. Hein? Lady Mazora told me everything. How you and the Blade of Frontiers slaughtered his own father. How he craves ultimate power. How he wants to make the city bow to him and him alone. First I finish you. Then I finish the Duke's traitorous son. Pardon? Tu veux faire quoi du coup? Ah, t'as un plus 7 en histoire et un plus 4 en persuasion. Allons en histoire. You remember the stories of Alterel's fall? The city was dragged into the hells at Zariel's behest, and Ravengard along with it. Ah, et du coup, t'as débloqué cette option de dialogue-là. C'est pas. Stand down. I believe you. The battle lord help me. What darkness has fallen upon us? Listen, there's something Will should know. On his way from Elturel, Ravengard sent a messenger with word of the cult. He knew about the Absolute. I thought little of it at first. But he realized the danger before anyone else did. He understood that if the cult was successful in raising an army, Baldur's Gate would be doomed. And he knew that to protect the city, one trained in the ways of the great champions would have to rouse the worm living beneath. If I'm not mistaken, that would be Will. Moi. C'est un peu pé dans le... Je n'ai trouvé qu'un protecteur, et c'est moi. Oui. Le dragon, ça, tu veux dire qu'il y a un dragon sur la cité? A bronze dragon, to be precise, sleeping beneath us. The worm goes by many names. Ansel, the waiting storm, the heart of the gate. He made Baldurin a binding promise to protect the city when its need was greatest. The city survived countless threats, but Ravengard knew its walls would fall to the cult. With him gone and the city near ruin, your call is to unleash the heart of the gate. Take this, the legend of Ansel. The bards call it a tall tale, but every last word is true. Follow its path to the worm, or do not, and let the coast be drowned in blood. On sait jamais, peut-être la numéro 1, et au final, on peut toujours dire, bah... I was right to lay down my arms. Fauxhammer be praised. I should go, gather allies. We'll join you in your hour of need. Free the worm, and may his thunderous wind drive the Absolute from the coast.
Techniquement, c'est un dragon, il peut balayer d'autres choses. Dragon. Charme de contrôle mental. Bon, il y avait un point de téléportation pas loin ici, je crois. Ah oui, je cherchais les aiguilles de base. Oui. Là, on a juste trouvé une cordonnerie. Ça, ce sera pour une quête plus tard. Oh. Regarde, c'est quoi le jeté maintenant? Comme ça, ce sera fait. Just like when I was a child. Mm-hmm. Ah là, étrange. Ah bah c'est maintenant qu'il a fait un 30. Putain. Ah, 31 même par extension. Ah bah super, merci. Ah mais le jeu, il est... Ah le jeu... Il m'a fait un délit de faciès le jeu. Ah, il t'aime pas, hein, putain. Attends, la maison des crimes, c'est là. Où est-ce qu'il y a un endroit pour aller dans les secours? Je vais retourner là. Ah, ce jeu, il pourrait m'insulter de vive voix et faire la chute. C'est ça. J'aime bien cet endroit, il y a des personnes à la taille. Non. Et des aphelins. Pendant ce temps, t'as toujours le sanglier derrière en suivant. Oui, il est toujours là. Non, il me suit pas. Ah oui, putain, j'avais remarqué que ça faisait ça dans ma partie avec mon ranger. Des fois, les animaux, ils arrêtent de suivre d'un seul coup. Ah, il est trop gros pour le trou. Ouais, c'est bon, il arrive. Alors, j'étais un peu près sûr qu'il y avait un point de truc pour aller dans les églises. Regardez autour de vous, c'est calme, hein? Oui, bien sûr, t'as vu des tremblements de terre toutes les minutes. They talk a great deal, but do very little. Which may be for the best. I take it you're not inclined to study the wonders of the Underdark? Its inhabitants and cultures, maybe. Its fungi and cave slime, no thank you. Putain, mais peu importe la partie, je ne me souviens jamais d'où est cette foutue entrée dans les égouts. Tiens, c'est quoi ça ici? C'est rien, j'ai l'impression. Ah bah la demeure d'un troll, il y a un pont.
Attends, parce qu'on... Ah bah! Ah bah toi, c'est là? Non, c'est pas là. Par contre, là, c'est où il y a la quête d'Ombreaker. Ah, tu veux vraiment la faire tout de suite? Non, je vais pas la faire tout de suite. Je vais juste y aller, histoire de débloquer la zone sur la main. Ah mais on entre dans la baraque. Je sais pas, mais en tout cas, là il y a un point de téléportation ici, donc on va y aller. Non, c'est pas là, putain. C'est là. D'accord, on passe dans les maisons, genre dans le plus grand des calmes. En fait, c'est plus Donjons et Dragons, c'est Pokémon, quoi. C'est ça. Tu rentres dans les maisons, tu utilises l'ordi des gens, et quand ils te regardent de travers, hey, ça te dirait d'affronter mon Levenard niveau 2. Levenard niveau 2? Je sais pas, c'est le premier nom Pokémon qui m'est venu en tête. Mais pourquoi niveau 2? Mais parce que ça doit être les clodos qui ont des Pokémon bas niveau et qui veulent t'affronter alors que toi t'es déjà niveau 120. C'est ça, oui. Hey, tu peux pas battre mon super chenipan, il est trop fort, il a appris la technique sécrétion. Oui. Et voilà, il se fait foutre en 2 secondes parce que toi, t'as un... T'as un Léviator niveau 72, là, avec sa technique, ah, je t'ai mort. Bon dégoût. Tu voulais pas aller vers le... Pardon, point de TP. C'est bon, je l'ai trouvé. Ok. Blessure de char, ok. Attends, par contre, c'est où qu'il faut aller? Sauf que le palais de Cazador, pour l'instant, on s'en bat les couilles, on va pas y aller. Attends, maintenant. On peut rejoindre le palais du truc via les égouts? Non, c'est juste que c'est l'objectif principal actuellement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, vu qu'on va pas y aller tout de suite. Il y a encore des limons dans cet endroit de merde? Vraiment. Et c'est quoi? C'est les égouts de Paris? Lol. Oh putain, il y a d'autres, tu nettoyais tes chiottes. Ah, il a trouvé quelque chose. Il y a quelque chose là-bas. Ah oui. What's hiding here? Une fièvre morte. Ah bah les outils de voleurs, parfait. J'aurais les gâcher tellement... Oui, parce qu'il faut faire 30 et le jeu te dit non, tu fais 19, non, tu fais 27. Non, tu fais 29 sur 30. Je ne peux pas ouvrir cela. C'est ça. On a fait 27, 28, 29. C'est pas 25, 27, 29. Il me semble qu'on a fait un 27 et un 28. Un 27, c'est sûr, un 29, c'est sûr. Il y a plein de trucs planqués partout, ouais. Ici. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'or. Alors, on n'est pas du tout allé dans le bon... La Xel? Ce qui m'a fait peur, cette conne. Bon. Vous êtes blessé, mais il s'est passé quoi? She sees me from our camp, bore me here to Baal's enclave. She slit my belly and filled her cup with my blood. A toast, she said, to her false god. She told me when her c'était pas vu ça. Oui, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive. Du coup, ça m'a vraiment fait peur. I'm done for. I will hold her off as long as I'm able. Je crois que c'est une mauvaise idée de l'abandonner parce qu'après elle va calmer. T'as l'option 1 direct. C'est Gratos qui nous fait une Lord Farquaad. Nombreux chevaliers périront lors de cette bataille, mais c'est un sacrifice auquel je consens de bonne grâce. C'est limite ça. Oui, alors déjà, non. Je t'apprécie un peu plus, Taizel. Je te mettrais pas dans les flics, mais je t'apprécie un peu plus. Astarion, par contre, il aurait pu crever. Mm.
Attends, si on dit qu'on va l'affronter ensemble, ça veut dire que on sera 5 plus le sanglier. Est-ce que tu veux que je te réponde? Oui. Non. Ah merde. Ah ça, c'est nul. Mais ouais, je vais pas lui dire non, non, mais vas-y, allez hop, va te sacrifier. Non, pas celui-là. Du coup, tu veux 2 ou 3 peut-être? Ou 4? Allez, on, bah écoute, tant qu'on est, on va l'affronter. On va l'affronter ensemble. Comment cela? Look at it, crawling and sniffing and rooting around in the filth. Is it my Netherstone you seek, little piggy? Alors non, on cherchait Minsk. Orin will take care of you and your little pet. Mais on a deux. Qu'est-ce que vous faites là, Isaël? Parce que tu te souviens, Gortash, il a dit, effectivement. Oui. Il a dit, il y a un imposteur dans votre camp, c'est la faute de Rin. Du coup, c'était Lysel. Oui. Et qu'est-ce que t'as fait de Lysel? Nothing. No, not a thing. Still gasping and gagging on the foul airs of Baal's temple. I will not slice. Her kind die too easily. The murder lord demands a better offering. Something new, sticky, sweet, and delicious. He wants you. Oui, oui, non, mais il me prend pour une saucisse knacky ou ça se passe comment? Ah, c'est pas votre dieu que j'entends, mais le fruit de votre imagination perverse. Non, non, I am Baal's chosen. He shows me glorious visions. Your flesh cleaved, your joints popped and broken. Tu vois l'autre péon derrière en train de me regarder de loin en mode qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, il fait le bateau en mode il se passe quoi? It flickers. I cannot focus on it. It is not yet complete. You must be made perfect. You must be sharpened. Oui, vas-y, pas franchement, arrête avec tes petits jeux you là, Ramsay Bolton. Hmm? You've heard Gortash's I see how your skull swarms with his promises. He whinges and wails over the crown of Karsus, wanting to command it without me. Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear. But I can't touch him. He bound my blade when we first conspired. Gortash didn't want me at first. Didn't trust me. Got me to wag my tongue, swear an oath never to hang him from the hooks. Drip drain him into father's open jaws. You must kill the tyrant. Take the Netherstone from his corpse and bring it to my temple. Et en gros, c'est ça. Chacun des deux te demande de tuer l'autre. We slice and shred each other. The survivor claims the stones. En gros, c'est que d'une série de trahisons, de meurtres et de meurtres et de trahisons. Oui, en gros, voilà. And I will bring my assassins to heal. On dirait la politique, sérieusement, arrêtez de vous trahir, de vous allier, de vous poignarder dans le dos. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. Orin demands a fight to the death. The prize for the victor, the Netherstones, and the chance to control the crown alone. Accept. And you must kill Gortash. Refuse, and your companion's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter.
Le 2, je sens qu'il y a une douille. Peut-être. J'aime bien peut-être. Dis pas, à moins que tu me le demandes clairement, je vais jamais te répondre. Ok, on est d'accord. Si je choisis la 2, elle va me dire, bah tiens, voilà la Isel et hop, elle est morte. On est là, d'accord là-dessus. Non. Ok, bon bah dans ce cas, je peux dire, je tue d'abord Gortash, après je reviens te tuer, la Isel est sauve. Tu peux dire ça. Ouais, mais et après dans les fêtes, je ne peux ne pas le respecter. Oui. Parce que, en gros... Et t'as dit que c'était un combat bien pète-couille. J'ai dit ça ? Je crois, oui. Alors non, j'ai jamais parlé du combat contre Rin. Ah. Voilà. Pardon. Alors là, si tu as des questions, je veux bien y répondre. Vas-y. Bah comment ça, vas-y ? C'est toi qui as des questions. Parce que la question, c'est... On est d'accord. Quel que soit le choix, Lysol ne sera pas morte. Non. Parce que je peux très bien dire, Gortash peut attendre, c'est vous que je tuerai en premier. Si c'est ce que tu veux, oui. Et que du coup, il y aura quand même Lysol qui sera vivante. Elle va pas, je ne vais pas la retrouver à moitié démembrée. Non, parce que ce que dit le wiki, c'est que tu as l'impression que c'est chronométré, alors qu'en fait, pas du tout. Ah, bah oui, comme le père de Will, quoi. C'est ça. Quoique le père de Will, il y a certains trucs qu'il ne faut pas que tu fasses, sinon il meurt pour de bon. Mais... Ah. De toute façon, c'est... pour l'instant, on n'est pas encore là. Bah, écoute, on va laisser traître numéro 1 attendre. On va d'abord te tuer. Oh, silly, silly little slaughter. De toute façon, vous êtes tous les deux sur ma liste à faire des assassins. Si vous hantez moi, alors ils hantent vous. The murder lord will not be denied. Neither will I. Bon, on débloque un point de téléportation, ça fait pas mal. Comme ça, on reviendra plus tard lui péter les chevilles. Attends, ça, on a reçu un sac à dos. Ah. Alors, c'est quoi cette histoire? Pourquoi on a reçu un sac à dos? What the fuck? Il n'y avait rien dedans. Bon. Ok. Alors, tant qu'on est là, je vais faire un petit truc viteuf. Un passage. Attends, niveau ressources, qu'est-ce qu'on a? On a utilisé pas mal de trucs quand même. Ça devrait aller. Quoique non, vaut mieux qu'on se repose, je pense, parce que là, le combat d'avant, il était un peu chiant. Le combat qui est là, il va pas être trop dur, mais je préfère être sûr. Gail, qu'est-ce qu'il veut ? The Annals of Karsus. Préambule to a civilization's downfall, committed to parchment by the very hand of Mortis' destruction. The truth of the crown, I hope. All that stands between us and enlightenment is the turn of a page. Mais tu te fous de ma gueule, jeu de merde. It contains... If we can collect the crown setting and the three netherstones, and with the correct invocation of certain spells and gestures detailed in these notes... Je sais plus ce que t'as dit avant. I think... What just deux. I promise you. The gods will never grant us such a blessing, no matter how much we worship and adore them. Voilà, la numéro 3, j'avais dit, je m'en rappelle. Et donc là, j'avais dit que vous décevez Gail. Such power is beyond her control. Ready to be claimed by Kart. I know. Long road. Non mais t'es sérieux? The crown comes into our possession. All I ask for. Là, c'est pareil, c'est ce qu'on a demandé tout à l'heure. Please, at least think on it. Perhaps I got carried away with the thought this crown. C'est ce qu'on a déjà eu. Bah oui, c'est ça. Cure me. Donc, voilà, et là on l'avait mis, on ne prendra pas la couronne. Ouais. Okay. Mais qu'est-ce qui, pourquoi? Our odds without her are diminished.
We should consider Orin's terms carefully. However, distasteful we may find them. You almost pity Orin, taking Lazel like that. Give her half a chance, and she'll rip out the shapeshifter's spine. Mm-hmm. Ouais. Bon, une fois, il a pas dit un truc méchant. C'est ça. The bloody shapeshifting freak! No one takes my gith Yankee and gets away with it. C'est la seule que t'aimes bien en même temps, c'est pas difficile. Lol. Non mais Carla, elle aime bien tout le monde de toute manière. The great Orin the Red tugs your sleeve, sulking for attention. She might come to regret it yet. Lizelle will not break easily. But Orin will only enjoy her work the more for that if we give her the time. Du coup, ça explique un peu sa réponse chelou quand on a parlé de Gale tout à l'heure. Oui. On était en mode, ah bon, elle dit que ça. Ah, oui, les ombres cœurs ont un... Since we arrived in the city, I can't help but feel a little anxious. Encore. But I'm not sure I know why. Comment puis-je vous aider? I don't think it's what happens if we fail that concerns me. We'll be beyond our worries at that point. I think what bothers me is what happens if we succeed. I've never been able to write my own future. I wouldn't even know where to begin. Ah, le numéro 2, que feriez-vous? Well, I want to save my parents, of course. Take them away. Far from Shah's influence. Someplace peaceful, away from the city, perhaps. Mais encore. I like room for animals. Lots of them, all shapes and sizes. So long as they appreciate a warm fire and more affection than they know what to do with. Même les loups. Pas d'autres. I want to grow flowers. I want to be surrounded by colors every day. I'm tired of darkness. Yes. I want to share it all with you. If you're willing. Volontiers. Then it sounds like I have everything I need. More of life than I'd ever imagined possible without Shah. We can't just let Orin take one of our own, even if it's Lazel. We have to rescue her, or kill Gortash in order to win her freedom. Bon, moi c'est clair, c'est net, c'est facile. Tingles as it opens to Will. He learns of Mazora's meddling and Floric's tale of the dragon Ansur. Curse that rotten devil and her forked tongue, trying to set Eltan against me. She's a damnable inferno of chaos. Elle est vrai qu'il y a côté en mode. Et là avec sa petite tasse de thé. Les larmes de Will sont un meilleur réconfort de goût. C'est ça. Oui, vraiment quelqu'un de sa vie sous la porte de Baladur. Go on, read the legend of Ansur. Then we can plan our next steps. Non, mais avant, je vais te demander ce que tu penses. Damn it all! We've got to get Lazel back. If that means killing Gortash, nothing would give me greater pleasure. Bah, t'inquiète, les deux sont sur ma liste de d'assassinats. Will Orin truly free Lazel if we slay Gortash? I'm not so sure. A rescue may be in order. Oui. Ah, tu remarques, autant faire ça maintenant tant qu'on est là. Leur donner tout le caca, c'est ça? Non, le truc de la légende. Ah, la légende d'Anso. La prison de la roque du Dracocyr. Voilà. T'inquiète pas, on va y revenir.
Let's talk. It's not just a legend. It's a history. Consider this. To worm way neath prison's deepest level. That must mean Worm's rock prison. C'est précisément à l'endroit de la prison où tu n'es pas allé. With the shock of a true hero's spark flickers, the torches alight, and Worm's eyes shall awake a glitter. To open the way, we'll need to spark torches. This dragon Ansor was Baldurin's ally. We'd be fools to let him sleep while the dead three's chosen raise the city. Ouais, certes. Bon, allez, maintenant, dodo. Ouais. Ah, on peut le changer. Et il y a toujours le sanglier. Mais oui, le sanglier disparaît pas. Et le chat. C'est vrai qu'on l'a pas vu hier soir, faut qu'on lui parle plus doux. Tu sors pas. J'ai un niveau 2. Après, je crois qu'on peut pas le... Oui, le toutou. On gratouille le toutou. Ben oui, le toutou. Je crois que le chien, on peut pas l'augmenter de niveau. Bah, je crois que si, parce que il me semblait pas qu'il était niveau 2 de base. Il me semblait que je le voyais toujours niveau 1 avec 5 PV, et là, il est niveau 2 avec 7 PV. C'est bon. Après, je pense que tu peux augmenter son PV s'il est sur le champ de bataille, mais l'envoyer sur le champ de bataille, c'est le liquider, littéralement. À moins qu'on fasse une douille... Attends. J'ai envie d'essayer, en vrai. De quoi? De faire une douille avec Gratouille. Attends, qui a la balle? C'est Gratos, hein? Je crois que c'est Gratos. Sauvegarde quand même un peu avant. Non, t'inquiète, j'ai miné. What am I to do? Voilà. Comme ça, personne ne peut toucher à Bébou. Je prends pas l'or qui est sur le côté. Non, parce qu'avant il faut que je fasse un truc. Let's see. Ah bah c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on avait pris le sort de déverrouillage pour Gale, parce qu'on avait tellement pas de chance avec les jets de dés. Ouais. Non. Voilà. Tous les ennemis avec 2 PV déjà, ils crèvent ici. Toi, tu vas foncer ici et tu vas crever aussi. Ah non, il fait le tour. Ok, bravo. Donc, Gratouille, tu n'attaques pas parce que sinon tu vas... Attends, qu'est-ce qu'il peut faire? Morsure. Il peut aider les gens. C'est... Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est le seul compagnon qui peut aider les gens. En fait, la commande aider, tu sais ce que ça fait ou pas? C'est quand le perso est KO. Ah oui, donc il lui échoue de la tronche et il réveille, c'est ça? C'est ça. Et là, comme d'habitude, quand il y a des petits ennemis partout, hop, des petits esprits gardiens. Bon, toi, c'est Thornbreaker qui fait bruit de corbeau. Non, non, c'était elle. Parce qu'en fait, elle s'est pris des dégâts. Le truc, c'est qu'il y a une altération d'état qui s'appelle... Hop, protection. C'est gangrène magique. Chaque fois que vous lancez un sort, vous prenez 2d6 de dégâts nécrotiques. Ah merde, oui. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, on a déjà un soigneur, donc à la limite. Évidemment, ils vont tous avancer, sans passer par les trucs de ronce. On a pas vu qu'elle est trop longue pour leur faire chier la gueule. Il serait long. Ah, c'est pas Gaël à qui on a mis les petits insectes là? Non, c'est mon broker qui l'a. Ah putain, par contre, ça va être la fin. Ouais. C'est nous une Johnny Hallyday, vas-y, allume le feu. Non, je vais plutôt niquer les petites mains.
C'est dégueulasse. Oui, je sais. L'impression que Gratou gagne des niveaux en fait. Bah non. Et c'est bizarre. Je sais pas. C'est bizarre. Alors peut-être que de base il est niveau 2. Peut-être. C'est tellement marrant qu'au final le Gratou il monte de niveau et au final il est niveau 10 comme toi, ce serait marrant. Allez, avance. Well, so much for peace. Pour ça, on relance un sort. Ici, il y a une momie et une main ici, une momie et une main là. Je fais ce que j'ai fait. On va éviter de marcher dans les racines quand même. Non. Il y a plus qu'une main. Eh ouais. On va tous se suicider. Oui, bon, bon, bon. Va dans les épines. Il veut pas. Et on peut pas lui balancer un caca à la gueule à lui aussi. Monsieur le campeur là. I wonder if this is worth the cost. On va pas aller sur les épines. Comment ça peut se faire? What? Ouais, mais on est obligé de bouger en fait, je sais pas pourquoi. Bah, va taper. Non, on peut pas. Non, on va taper un de ceux à côté de mon broker. Ouais, on va faire ça. Tu peux pas lui faire un Ignis au mec là-bas? Je pourrais. Surtout m'éloigner pour pouvoir attaquer ces deux-là en même temps. Oui. Après, je sais pas si on aura la fin du combat. Probablement pas. Ah merde, ça a cassé la concentration sur les esprits gardiens. Ouais. Bah oui, du coup, j'aurais peut-être dû regarder l'heure avant de faire ça, mais bon. Bah du coup, on se retrouve pour la fin du combat au prochain épisode, sinon. Ouais, ok, on va faire ça comme ça. Parce que là, ça va couper. Ouais. Attention, série, ça va couper. Bon, bah, du coup, à plus. À plus. Protège, 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 protège. On protège la